Donc, deuxième vidéo de la journée pour vous. Vous êtes trop gâtés en mode. Oh, je suis blanche comme un cul quand même. En mode malade, voilà, j'ai la goutte au pif. J'avais de la fièvre jusqu'à maintenant. Mais je vous tourne mon petit haut de Chine. Donc voilà, je viens de me réveiller de ma sieste. Il y a un camion qui va passer. Oh, c'est une voiture. J'ai été me coucher parce que j'étais pas bien et heureusement que je me suis levée et que j'ai pas réussi à dormir parce que le livreur est venu toquer tout doucement pour me déposer mon colis. Voilà. Donc je peux enfin vous filmer les deux commandes en sachant que j'en attends encore une, évidemment. Mais l'autre c'est que des fringues. Là j'ai que deux fringues, je vous les montrerai à la fin si j'oublie pas parce qu'ils sont là par terre. Donc on va commencer, c'est principalement de la déco. Voilà, accessoires et déco. Mais il y a un peu de beauté, il y a du backup surtout. J'ai recommandé trois fonds de teint, voilà, en teinte fer, puisque la teinte me convient parfaitement. Donc, j'ai repris trois fonds de teint parce que je l'adore. J'arrive toujours pas à savoir si je le préfère aux Catrice ou pas, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai recommandé du backup des éponges que j'ai testé. Je sais plus dans quelle vidéo j'ai testé avec vous. Mais alors, j'en ai recommandé. J'ai testé aussi une du duo que je vous avais présentée dans le dernier haul et elle est moins souple. Elle est pas mal, mais beaucoup moins souple que celle-ci. Donc là, j'ai repris 6 comme ça. Voilà, moins d'un euro l'éponge. Là, j'en ai pour moins cher que pour les deux IMAX. Et elles sont mieux, donc j'ai envie de vous dire. Autant pas se priver. Elles sont à 1 euro, mais comme vous avez toujours des réductions, bah, ça vous fait moins d'un euro pour les éponges. Ah, c'est canon, là. Alors, j'ai repris des petits élastiques. Oh, comme c'est étonnant. Donc, j'ai pris cette couleur-ci parce que c'est des néons. Il y en a 1000 à l'intérieur, je crois. Je ne sais plus exactement combien est-ce qu'il y en a. Mais dedans, il y a des jaunes, des oranges, des verts, néons, un fluo et des roses. Donc, voilà, c'est vraiment... Et j'ai pris les mêmes, mais en pastel. Et là, c'est plus... Il y a des bleus, des verts un peu canards, comme ça fait un bleu canard, des jaunes et des roses aussi, mais c'est en pastel. Donc je crois que maintenant j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel possibles et inimaginables en petit élastique. Et j'ai enfin trouvé des blancs. Voilà, je suis contente. Je ne sais plus combien est-ce qu'il y en a dedans non plus, mais ils étaient vraiment pas chers. Et c'est bien des blancs cette fois-ci. Ah, alléluia. Parce que quand ils mettent blanc et que vous recevez des transparents, c'est extrêmement chiant. Alors, toujours en accessoire cheveux, j'ai repris des mèches à clipser, mais des mèches... Dazzle, des holographiques, donc j'en ai pris deux de chaque. Il y a que deux teintes hein, de toute façon. Donc il y a d'abord celle-ci en plus foncé, holographique comme ça. C'est très 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 beau. Et j'ai pris les toutes simples holographiques argentées. Comme ceci. Voilà, c'est très 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 joli. Et ça, soit en mèche, soit carrément en queue de cheval, ça peut être joli. Enfin, sur une couture. J'ai le nez qui fuite, hein. Je suis désolée, mais je sais rien faire. Alors, vu qu'on a repris les vidéos Queen et que vous m'avez donné le thème papillon, j'ai trouvé ceci. Donc, attendez, je la sors. C'est une boucle d'oreille sans trou d'oreille. Enfin, c'est un trou d'oreille. Regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Attendez, on va essayer tout de suite. Hein. Je ne sais pas comment ça se met. Donc là, ça se clipse. Ça se clipse ici, les deux papillons du milieu. Et celui du dessus se pose juste. Ok. Bon, moi j'ai un peu des grosses oreilles aussi. Hein. Mais... Je ne suis pas sûre que ça tienne super bien sur mes oreilles à moi. Ils ont une forme un peu bizarre, mes oreilles. J'ai les oreilles de mon père. Ouais, c'est vraiment, ça tient pas super bien. Attendez. Je cherche hein, à comprendre. C'est parce que j'ai un gros lobe d'oreille. Enfin bref. Je pense que j'arriverai à jongler pour le fixer. Ça fait très moche. Mais on verra bien lors de la vidéo. Il faudra que je chipote un peu. Et toujours dans le même esprit, j'ai pris des faux piercings.
Voilà, j'ai pris de l'eau, donc ici vous en avez 4, donc c'est des argentés, hein. Ils sont très jolis. Et ici vous en avez, je ne sais pas, beaucoup, 10 je crois. En plusieurs formes et plusieurs effets, enfin ouais, plusieurs dessins dedans. C'est pas évident de tourner une vidéo avec la goutte au pif. Hein. Alors, j'ai pris les faux piercings parce que ma nouvelle lubie du moment, c'est faire un piercing ici. Mais comme je suis très doudouille, j'ai envie de voir d'abord si je supporte, enfin si je trouve ça joli ou pas. Pour pas avoir mal pour elle. Tout simplement. Alors, je me suis pris une tasse de café, une tasse à 2 ml de café. Mais voilà, j'ai commandé en vitesse parce que c'était le dernier exemplaire, donc je pourrais pas vous le remettre celui en barre d'infos puisqu'il n'y est plus. Et c'est marqué dessus Coffee is my BFF. J'ai craqué dessus, et comme moi je bois mon café dans des grands gobelets comme ça avec une paille, hein, j'enlève le capuchon. Et c'est un capuchon bec verseur comme ça pour boire. Et qui fait en même temps anse. Donc c'est cool parce que quand ça sera à moi d'aller chez les copines et tout ça, je pourrais prendre mon petit café avec. Et tout ça, tout ça. J'ai pris un tapis de souris. Alors il est gigantesque. Il fait 60 sur 30. Attendez, qu'ils soient bien à l'endroit. Tadam! Il est trop beau. Donc j'ai déjà fait une tache dessus hein, parce que moi je l'utilise depuis que je l'ai reçu. Une toute petite ici, mais il y a une tache quand même. Voilà. Le reste, c'est pas moi. Hein. C'est le truc comme ça. Donc c'est une matière un peu lisse. Enfin, très lisse. Oh, je l'éternue. Et la souris glisse beaucoup dessus, donc il faut vraiment prendre le coup de main et pas aller trop vite avec sa souris, sinon elle vole. Mais j'aime bien et il fait pile la bonne taille sur mon bureau. J'essaierai de vous inclure une petite photo de comment je l'ai installé. Faut que je le remette maintenant du coup pour le faire. Alors toujours dans l'idée de la cuite des papillons et pour mon fond en été, j'ai pris des papillons pour décorer. Ah, j'ai une étoile rouge à force de moucher, hein. C'est pas parce que j'ai picolé. Hein. Alors j'ai pris ceci, c'est des 3D Butterfly décoration. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y en a dedans, ce n'est pas noté ici. Donc vous devez les plier et vous avez des petits autocollants pour pour les coller tout simplement. C'est des holographiques. Voilà, très joli. Dans le même esprit, j'ai pris ceux-ci, c'est des noirs et blancs. Enfin, noirs, mais en transparence, ils font blanc. Je crois qu'il y en a 24 ici. Là, c'est pas marqué où est-ce qu'il y en a, mais ici, il me semble qu'il y en a 24. C'est aussi, c'est le même principe, mais en noir. Voilà. Et une planche ici. Ils ne disent pas non plus combien est-ce qu'il y en a. Oh, c'est chiant de ne pas dire combien est-ce qu'il y en a. Il y a déjà qu'il y en a qui se sont barrés du truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 apparemment. Oui, ça doit être 18, un truc comme ça. Et c'est des noirs et blancs. Voilà, donc là vous avez plusieurs modèles, plusieurs tailles et tout. Et je pense qu'il y a moyen de faire des jolies choses avec ça, aussi bien pour faire une espèce de couronne que décorer mon fond. Oh, je vais y arriver. Hein. Alors pour mon fond, justement, pour aller avec mes petites plumettes ici que j'avais piquées, qu'on m'avait donné lors de la soirée du boulot de chérie, je voulais l'étoffer un peu. Et du coup, j'ai vu que Amy en a commandé des espèces de plumettes comme ça, donc c'est des roseaux. Donc j'ai regardé aussi. J'ai pris deux roses comme ça. Donc on va en déballer un ensemble. Si je trouve où ce qui s'ouvre. Ah oui, j'ai mon pull de Noël de Gougou. Hein. Mais alors la tige est super longue, j'espère qu'elle se coupe facilement. Donc en voilà un. On va le secouiller un peu. Bon, c'est joli. Et je pense qu'avec le rose et le prune comme ça ira bien. Enfin, c'est burgundy derrière. Mais ouais, je pense que ça va se couper.
Donc on testera ça en vlog. Je vais vous prendre après en bas en vlog. Et j'ai pris ceux-ci qui sont en fait presque de la même couleur, mais ils avaient l'air plus bordeaux sur le... J'en ai pris deux aussi. Ils sont plus grands aussi. La tige est beaucoup plus épaisse aussi. Donc j'espère que j'arriverai à couper tout ça. Donc on va le déplumer un peu, le décoiffer. Décoiffons. En tout cas, il ne perd pas ses trucs quand même que je le décoiffe avec toute ma délicatesse. Voilà. Ah oui, il fait plus bordeaux là. Donc bah, vous verrez ça en vlog, je vous montrerai en vlog, on fera ça ensemble juste après. Et pour aller avec, j'ai pris 4, mais je pensais pas qu'ils étaient si grands. C'est des feuilles comme ça, argentées. Mais bon, c'est pas grave, ça peut me servir de déco en bas aussi. Hein. Je pensais vraiment pas si grands les trucs, j'ai pensé plus, beaucoup plus petits. Donc voilà, vous les mettez un peu comme vous voulez. Et c'est très joli. Hein. Ouh. Ouh. Ça plus les plumettes. Ça va être joli. Ta 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 ta. Ta ta. Ta ta. Ouh. Ouh ouh ouh. Oui, je suis fatiguée. Je suis malade. Donc je suis encore plus débile que d'habitude. Voilà, vous m'excuserez. Donc je vous mets les liens comme d'habitude de tout ce que je vous ai présenté dans l'ordre où je vous les ai présentés. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Alors, les éponges, je vous les conseille à 10 000%. Moi, j'en suis complètement dingue, ces petites éponges. Oh, elles ont détrôné toutes les autres que j'ai pu tester pour la qualité, le prix et tout. J'adore ces petites éponges. Et en plus, elles sont trop jolies. Donc, bah écoutez, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Ah, les deux pulls. Je vous avais dit que j'ai risqué d'oublier. Alors, j'ai d'abord pris un gilet vert. Encore. Je l'ai trouvé trop beau. Voilà, c'est encore un vert à Nice avec un petit peu de dentelle ici et juste deux boutons. J'ai quel t-shirt en dessous. J'ai du bébé Gougou aussi. Donc on va les essayer juste après. Et ce pull, oh mama, comment j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Alors, au départ, je le voulais en couleur un peu rouille. En ce moment, je suis à fond dans le rouille en fringue. Mais il n'était plus dispo dans ma taille. Donc, j'ai pris en M les deux. Et du coup, j'ai pris en nude beige. Donc, il y a un petit col, pas très haut. Et plein de perles devant, sur les manches, sur les épaules. Il est quadrillé comme ça, côtelé. Oh, il est trop beau. Wow, et la matière a l'air géniale. Écoutez, j'enfile ces deux trucs-là et je vous montre ce que ça donne. Alors, voilà pour le gilet. Donc, j'ai juste laissé ma brassière en dessous. Hein, donc, forcément, il faut un top. Hein, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup avec ça, avec un top noir en dessous. C'est très beau. C'est pareil, la couleur, je voulais une autre à la base. Mais il n'y était pas. Mais j'aime bien. J'aime bien. Et même en été, je vais dire comme ça, sur une petite brassière noire, ça passe crème, quoi. Bon, après, moi, j'ai la peau du ventre un peu fripée, donc... mais bon. J'aime beaucoup. Ah, mon Dieu, je suis brûle. J'adore. La couleur aussi, j'aime. J'ai aucun pull en cette teinte-là. Donc, il est assez long, enfin, pour moi. Oh là là. Par contre... Non, c'est pas la trop avec, hein, parce que ça fait un petit peu du bruit. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh, j'adore! Ouh! Oh, il est trop beau! Oh, je pense que je vais le mettre pour mon anniversaire samedi. Les filles, dites-moi ce que vous en pensez. Mais il est trop beau. Par contre, ça, c'est extrêmement chiant. Donc voilà, je vais le conclure avec ce pull-là. Ça va quand vous bougez comme ça, faut pas les toucher quoi. Et quand vous l'enfilez, ça fait un bruit monstre aussi. Mais j'adore. Oh, il est beau. Oh, ça y est, je suis amoureuse. Oh là là, un coup de cœur sur ce pull. J'adore. Moi qui adore les perles en plus.
Oh oui, je vais le mettre samedi pour quand les filles elles viennent. Vous êtes d'accord les filles? Je sais pas si sur ma jupe ça ira, mais sur mon leggings noir ça ira très bien. J'ai les cheveux coincés noirs. Donc voilà, je suis bien contente. Il est vraiment très beau. Il n'était pas donné par rapport au prix que je mets d'habitude dans les fringues, mais j'ai tellement craqué dessus que je l'ai pris. Voilà, je pense que je peux peut-être me prendre dans d'autres teintes aussi. Il y avait beaucoup de teintes, hein. Il y avait du rose aussi, qui était très beau aussi. Faut que je recarte. Pas tout de suite, parce que là, il faut que je me calme avec les commandes. Mais. Ah, j'adore. Bref, donc, on se retrouve demain pour continuer les palettes Shiglam, hein, jusqu'à vendredi, avec une surprise, je vous le rappelle. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits qui vous intéressent. Et gros coup de cœur sur le pull, sur mon petit gobelet. Voilà. Et mon tapis de souris aussi que j'utilise depuis presque une semaine maintenant. Et voilà. Donc, bah écoutez, de toute façon, on se retrouve demain pour continuer les palettes. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.